Mes chers compatriotes, françaises, français, youtubeuses, facebookers, nous vous annonçons solennellement la création d'un nouveau ministère. Et oui, le ministère du pouvoir d'agir des citoyens. Force est de constater que vos idées ne sont pas si mauvaises que ça, car je dirais même qu'elles sont à défendre. Oui, beaucoup d'initiatives remarquables existent déjà dans notre beau pays. Vous créez des coopératives qui préservent l'emploi. Vous produisez de la nourriture de qualité, miam miam, alors que nous soutenons les entreprises qui accumulent les scandales alimentaires. Et moi, j'en ai plein le bidon, ça rend indigeste les choses et la politique française. Vous innovez en matière d'énergie durable, alors que nous avons tout misé sur des énergies caca qui mettent en danger l'avenir du monde. Finalement, qui mieux qu'un citoyen sait prendre soin du vivant, que ce soit pour la santé, la pédagogie, pour nos enfants, pour maman, mémé, les animaux, les plantes et pour la planète. Vos solutions ne demandent qu'à être dupliquées, car elles promettent un futur souhaitable. Ce ministère vous mettra à disposition des outils pour concrétiser vos solutions. Soyez-en le bras porteur, retroussons nos manches. Imaginez un monde dans lequel vos idées sont enfin prises au sérieux, où vos actions font la une des médias, où vous vous sentez utile et épanoui, où vous trouvez enfin l'argent nécessaire. Dans un monde dans lequel ce n'est pas forcément la rentabilité économique qui prime, mais le bien commun. Nous nommons officiellement. On passe à l'acte. À la direction du ministère du pouvoir d'agir des citoyens. On passe à l'acte. S'engage à aider toutes, mais alors toutes les initiatives citoyennes sans les sélectionner en fonction de leur rentabilité économique. On passe à l'acte. Mettre en place des outils numériques gratuits pour agir, coopérer et s'entraider. Des formations passionnantes qui aident chaque citoyen à trouver sa voie. Vive les citoyens, vive la vie, vive la France. Comment vous allez financer votre projet? Ah, bah, par contre, il n'y a pas de budget. Hein, vous demanderez aux citoyens de se démerder avec le crowdfunding.